Alors Johan, deuxième jour de navigation dans les glaces, comment ça se passe? Ben, ça se passe plutôt bien, voire même super bien. On pensait pas que ça se passerait aussi bien à vrai dire. On croise les doigts pour que ça dure, mais si ça continue comme ça, on a bon espoir de passer le cap dans la nuit là. Dans la nuit. On était loin de penser ça il y a 48 heures, donc c'est plutôt sympa. On a de la chance, il fait beau, on a une super visibilité, parce que là dans les conditions qu'on a là maintenant, il ferait nuit ou il y aurait de la brume, ce serait, on n'avancerait pas quoi. Mais là c'est top. Et je crois qu'il y a un bateau polonais qui nous devance. Ouais, il y a un bateau qui a reçu la glace, la carte des glaces en même temps que nous et qui a levé l'ancre immédiatement. Et du coup, il est un petit peu devant nous là. On arrive à suivre sa trace là avec grâce à l'AIS et on l'attrape petit à petit là. Il est deux fois plus petit que nous. Mais du coup, il se faufile un peu mieux aussi, je pense. Mais on le rattrape gentiment. Il avance à 5 nœuds, on avance à 6 nœuds. Après, ça dépend de l'état des glaces, mais je pense qu'on va se croiser, ouais. On va se croiser et on s'est parlé tout à l'heure à la VHF, là, ça a l'air d'aller pour eux aussi. Donc a priori, on devrait sortir victorieux de Wilkitski Strait. Mais bon, c'est pas encore fait. On va pas vendre la peau de l'ours.